Vous allez voir comment modifier le mot de passe et l'identifiant de votre compte utilisateur. Pour cela, il faut cliquer sur Utilisateur. Votre compte arrive ici. Je clique dessus. Je vais changer ce nom-là parce que ce nom est pris en compte dans le référencement. Donc je vais l'appeler Pensez à la e-notoriété. Je vais changer l'identifiant. Je vais mettre par exemple utilisateur. D'accord, qu'il faut mettre quelque chose d'un peu plus sécure avec une majuscule par exemple. Je vais saisir un mot de passe. Pensez à mettre des mots de passe qui sont un peu sécurisés. Voilà. Il faut répéter deux fois le mot de passe. Votre email à mettre à jour éventuellement. Cet email sert à récupérer en fait les notifications quand il y a des mises à jour de jour là. Puis ici on vérifie que vous soyez super utilisateur pour avoir tous les droits, enregistrer et fermer. Vous pouvez maintenant vous connecter et là mettre le nouveau compte. Pour vous connecter.